Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans Star Stable. Comme vous le savez, nous sommes le 1er avril et pour cette occasion, Star Stable a fait quelque chose de très spécial. Aujourd'hui, nous pouvons désormais transformer notre cheval en voiture. Alors voici la Jorvikar, donc c'est une voiture de luxe dans Star Stable. Notre cavalière a l'air très contente, elle danse sur la musique. Et elle est aussi assise très, très bizarrement, comme si elle était encore sur un cheval. Je pense que personne ne s'assied comme ça dans sa voiture. Et en plus, elle est sur le rebord. Alors, il y a plusieurs couleurs, donc rose, noir, jaune et bleu. J'ai deux préférences, la bleue et la rose. Donc, c'est mes deux préférées. Oh, il y a des petits cœurs en plus. Il y a des petits cœurs qui apparaissent. Alors on va tester la voiture et puis on va essayer de faire le max de choses avec. Pour son fonctionnement c'est très simple, alors c'est pareil que le cheval, donc les allures correspondent à différentes vitesses. On va essayer d'aller au plus vite possible. Waouh, en plus il y a des bruits avec. C'est vraiment super cool. On va voir si on peut peut-être, je sais pas si on peut sauter. Oui, ah, c'est trop drôle de faire comme avec les chevaux. Notre cavalière fait aussi le cri comme Emma quand on saute avec un cheval. Alors peut-on tout faire comme un cheval? Est-ce qu'on peut reculer? Ah oui, on peut reculer. Je vais voir si on peut s'arrêter. Ah oui, on peut aussi s'arrêter comme ça. Je me demande si on peut se cabrer comme un cheval, ça m'étonnerait, on va essayer. Ah non, ça marche pas. Oh, on va faire comme si c'était notre maison, on va stationner ici. Et voilà, arrêt réussi. C'est vraiment cool. Est-ce qu'on pourrait descendre? Ah non, on peut pas descendre. Par moi qui a pas de prix, je pense que je me ferai arrêter. Elle a aussi un peu de vitesse dans les petites rues. D'accord, alors on va passer illégalement dans les cours, voir si on peut. Oui. On n'aura pas de se prendre des choses. Chevaux, ils se demandent quoi. C'est vraiment super cool, je m'éclate avec cette voiture. Mais bon, la vérité c'est que je ne laisserai pas place à la voiture en échange de chevaux, ça c'est sûr. Je préfère toujours les chevaux. Mais c'est sûr que ce serait intéressant d'avoir la possibilité de posséder une voiture, parce que voilà, de temps en temps s'amuser comme ça, ou pour faire des histoires, des courts-métrages par exemple, ce serait très utile. On peut aller dans l'eau avec notre voiture. Ok, je suis au bord de la noyade, mais bon. Bon là, je crois qu'on a plutôt une voiture sous-marine. Ah, c'est cool quand on sort. On dirait qu'on est en train de transformer notre voiture d'un sous-marin à une voiture. Ok, je vais tester une course et la piste de la baronne est géniale. On dirait vraiment une piste de course pour les voitures, alors on va la tester. Donc c'est parti. Pour que ce soit comme une piste de voiture de course. Ah, du salope. Ah.
Voilà, cette vidéo est terminée. J'ai essayé de faire le plus de choses possible. Donc voilà pour ce 1er avril, c'est vraiment très surprenant. Dis-moi quelle est votre couleur de voiture préférée dans celle disponible dans Star Stable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour la vidéo. Bye!